Et bonjour à tous, ici Kezogami, et on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Uncle Starrel. En effet, puisque je ne sais pas si vous savez, mais Uncle Starrel a gagné donc le prix des meilleurs jeux donc sur mobile. Et pour l'occasion, on a eu ce matin donc droit à une multi gratuite pour essayer d'avoir un lien que je n'ai toujours pas sur mon compte. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Ce n'est pas grave, je réussirai bien à l'avoir au nom d'un autre. Et donc du coup, on a eu également un petit trailer donc sur Uncle Starrel et qui nous annonce pas mal de choses. Qui nous annonce un nouveau boss qu'on verrait probablement en mise à jour 1.6. On verrait également la nouvelle planète qui serait disponible en mise à jour 2.0 puisque, en effet, donc après la mise à jour 1.6, nous passons à la mise à jour 2.0 d'Uncle Starrel, donc qui aura lieu donc au mois de janvier, et également des nouveaux personnages dans cette mise à jour qu'on va parler dans cette vidéo. Avant de commencer celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, ainsi qu'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos lorsque celles-ci seront disponibles. Sur ce, regardez la petite vidéo en mettant comme d'habitude les petits sous-titres. Hop. En français. Youp, c'est parti. Hop là, c'est parti. Bon. Do you still remember it? Fables about the stars. Its stories tell what is and what was. Its pages will always reveal something new. Oh mon dieu! Bon. Voilà donc la petite bande-annonce. Ce qui est très très bien, c'est que après donc on a l'annonce de nouvelle arène, donc Pénaconi, qui sera disponible, donc je pense, dès donc la mise à jour 2.0, c'est-à-dire donc dès le mois de janvier. Et aussi donc à Pénaconi, je vais également vous dire donc parce que à Pénaconi, donc on suppose qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. En fait, donc Pénaconi, donc il va y avoir donc la voix de l'harmonie. Et donc comme ça, on aura cette nouvelle voix donc pour notre personnage principal. Donc il va pouvoir avoir de nouvelles capacités grâce à cette nouvelle voix. On va avoir également de nouveaux personnages 5 étoiles ainsi que personnages 4 étoiles. Évidemment, donc lors de la prochaine version, donc la 2.0. Et on va avoir d'autres contenus qu'on ne connaît pas, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres de Pénaconi. Peut-être des updates aux univers simulés. Peut-être des ajouts par rapport aux abysses, donc aux mémoires oubliées. On ne sait pas, mais on va avoir tout plein d'ajouts donc, dans Pénaconi. À Pénaconi également, nous aurons la suite de l'histoire principale. Parce que là, pour l'instant, elle stagne. On a quelques petites quêtes, donc des quêtes killers, donc des quêtes pour patienter. Mais franchement, on aura la grosse mise à jour en 2.0, celle de Pénaconi, également peut-être de nouveaux énigmes. On aura tout plein de choses.
On avait également, lors de cette bande-annonce, le Scarabée bleu, donc, qui est un nouvel ennemi, donc on verra en mise à jour 1.6. Et sur ce, c'est tout pour Hawkeye Sarrel. Donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous parler de cette nouvelle bande-annonce. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc si vous voulez invoquer les deux nouveaux personnages qui ont été montrés, donc le personnage avec le livre, c'est Black Swan, et l'autre personnage, ce sera Acheron, la Ranger de la galaxie. Donc un personnage représentant donc la Shogun Raiden de Genshin Impact, ainsi que la Raiden Mei de Hawkeye Star, de Hawkeye Impact. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like avant de partir, activer la cloche et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de Hawkeye Star et de Genshin Impact. Vous à plus, allez, ciao bye.